Et c'est le mieux de tous, j'espère que tout le monde va bien, c'est Fenrir. On est parti pour continuer notre petite aventure sur Steel Rising, on va y aller tout de suite. Let's go! Je sais pas, c'est honnêtement vraiment tout ce que j'évite de... Dans cette zone là, qui se présente, donc là, vous avez votre camp. Let's go. On est parti. Donc petit conseil. Ici, donc quand vous avez ce Vestal là, vous pouvez fermer ces deux mobs, donc lui qui vous donnera 400 et lui 300. Donc ça vous fait 4, 5, 6, 7, 700 âmes à peu près. Mais surtout que celui derrière peut vous donner des lingots. Des lingots ou alors de la gueuse. Vous voyez, j'ai 7 gueuses et je les ai pas achetées. Donc ça peut être pratique pour fermer. Bon, il vous en donne quand même entre guillemets plus rarement. Mais ça peut quand même vous aider à en avoir quelques-unes gratos quoi. En plus à force de les fermer, bah, ça vous donnera quand même des âmes pour pas en acheter s'il faut. Donc si vous avez besoin d'améliorer vos armes au début du jeu entre guillemets, quand on est quand même dans les 4-5 premières heures du jeu encore. D'accord, parce que je découvre beaucoup de choses, hein. je me balade, je meurs et tout, donc bah, on n'est pas en mode tryhard quoi. J'ai vu qu'il y avait un mode assisté où on pouvait modifier la puissance de notre personnage. Et les dégâts reçus. Donc j'avais envie de faire un petit délire en mode voir si on peut arriver à cheater Aegis en mode type One Punch Man. Un coup, elle tue un mec. Ça a pu être drôle. Ah, j'ai fait de faire un petit cut avant. Un gros bouclier. Qu'est-ce donc que ceci? C'est une unité du Louvre. Okay. Un titan. Affliction glace plus feu sur lui. Top ça. Hey. Ah, tu t'en fous au moins. My name is not Ludia, monsieur. I'm
I'm called Aegis, and I serve only the Queen. La pauvre enfant. Ludia. Aegis. And yet I fear that you are neither. It is of no importance, monsieur. I have a mission to accomplish. Where is Monsieur de... He is hiding, as you say, in a cell in the Bastille prison. That is how our good king has decided. As for you, might you find your witness in the fear when they meet again? Your colleague, Monsieur Lavoisier. He went to the Palais de Luxembourg, despite the danger. Why? He hoped to convince the Comte de Provence to speak to his brother, the king, and have but he hasn't been. What did you see? I was in a sinister. It's a poison. Orders. I don't think this is the. For now. Le momentum de sérénité. Aegis est à présent équipé du momentum de sérénité, un boîtier qui lui permet d'accomplir des déplacements fulgurants. Ok, un petit dash en fait. Sympa. Boîtier de rémission, ok. J'avais fait un truc de un bloc de Busten là. On va fouiller quand même rien à fouiller là. En tout cas, premier titan que je fais, sympa. Sympa, sympa l'idée. On a vraiment un boss qui est beaucoup plus hardcore que les autres. Activé. Ok, maintenant je peux faire des dashs même sans... Ok. Le coffre, oui, j'ai toujours pas le code de la clé. Ok.
Ah non, mes âmes sont là-bas, c'est eux. Non, c'est pas cet outil-là qui va aider à faire ça. Ok. Bon, je sais pas comment on va faire pour le coffre qui est verrouillé. Deux petites secondes, les gars.
Oh non, Dieu la beauté. Le tonton Chris de Chris et Shuri, comme je vous ai déjà parlé d'eux. Très sympathique, qui est en train d'essayer de régler mon petit souci de box. Ça c'est cool. Donc un gros big up à lui. Hein. Donc tu l'as, on a fini d'après ce que je vois. On a quoi aux invalides? Invalides, gagner l'hôtel de Vaucausson. La cité rejoindre la société des amis des Noirs. Suivre la piste du machin Mirabeau et se rendre au docteur. Ok. On va aller à la cité, je crois que c'est les deux premiers qu'on avait. Donc on va aller à la cité. Hein. On n'a plus rien ici d'ailleurs, je vais regarder. Non, tout là, ok. On change de zone. Rue Saint-Honoré. Non, c'est des chiens kamikazes. Ouais. Putain, des chiens kamikazes. Les bâtards. Vous savez que les chiens étaient pas si durs en fait à gérer. Bah oui. Ils ne s'explosaient pas la gueule. Hein. Thank you.
Voilà, là, il s'est pété un peu la gueule du truc. Il nous reste un petit mob là qui était là. Voilà. Ah, ça maintenant il commence à prendre cher les mecs. Attendez, parce que là je prends hop la boussole. C'est là-bas, pardon. Trompé de touche, sinon c'est pas drôle. Donc quoi. Oh. Peuple de Paris, soulevez-vous. Chaque fois j'appuie sur la gâchette pour faire mon dash alors que ça n'a rien à voir.
Non, je crois que c'est une poignée, mais non. Ok, les trucs incendiaires, ils peuvent tous se suicider. C'est... Ça va être sympa. Ça va être sympa, hein. On va s'arrêter là, au Vestal, pour refaire un peu le plein. On pourra pas améliorer deux trucs, mais on pourra pas booster deux trucs, mais... C'est déjà pas mal. Point de vie. Endurance plus 5. Je monte un peu. Ouais. Multi-affection, multi-loot. Je monte un peu mon bouclier. La défense. Là, j'ai pas mieux. Non, pas vrai. J'ai pas de boutique. Fluo, pas voix. Donc Fluo, c'était la chaîne. Ok. Boîtier contre triomphant. Boîtier équilibre. Nice. Il me faut 5000 pour améliorer.
Non, c'est pas là. La liberté ou la mort. Stop. Not another step or I shoot. Wait. I have come on behalf of the Marquis de Lafayette. He's taken an automat for his aide-de-camp. You're no more human than the machines that laid waste to the city. I was not given the same orders as the others, monsieur. Just what mission has the Marquis entrusted you with? I must meet with Abbé Grégoire. Alas, you've come too late. The abbot has got it into his head to go to the Palais de Justice. He is certain that Monseigneur de la Fare, the Bishop of Nancy, is being held prisoner by the monstrosity that is wreaking havoc on the Ile de la Cité. But how can he possibly hope to free him? The abbot is a holy man who would lay down his life to right an injustice. But there isn't one among us who stands the slightest chance against that thing. Not the slightest chance. Le Palais de Justice. Presque toutes les routes sont ouvertes. Thank you.
Hop, on va voir ça. Après, on va déjà ouvrir le passage. C'est bon. Je peux mûrir mon âme. Qu'est-ce qu'il y a bien plus que ça? C'est un massacre dans ces rues. Oh, c'est pas ce con. Et là, c'est le drame.
made of neither flesh nor blood. You are an automat like those who committed this massacre. I have received no such command. I am carrying out a mission on the orders of the Queen. Your friend on Place Saint-Marie informed me of your intentions. Alas. I was not able to reach the Palais de Justice. I fear that the soul of Monseigneur de la Farre is lost forever. Was he killed? What has been done to him is a fate worse than death. Far worse. But I could go no further. There are so many bodies. So many innocents strewn about the square. The air there. There was something sinister about it. I felt un nouveau titan, peut-être? Ou un boss. As for getting back to the Société, it's hopeless. The streets are teeming with machines, but the machine that is wreaking havoc in the area around the palais is colossal, much, much larger than yourself. What's more, the soul of His Excellency the Bishop has been imprisoned within this monstrous machine. I'm certain. Have you seen the flames coming from the palais? I don't think anyone. Henri de la Farre, Bishop of Nancy, ask the Lord to bless this assembly and watch over this meeting of the Estates General. Let us not turn a blind eye to the misfortunes of a populace who is condemned to the most abject poverty, for there is no greater sin than to ignore the suffering of one's brethren. Of the court is an insult to the misery that reigns in our lands. In such dark times, how can one conceive of hiding away to play shepherdess or tinker with clockwork contraptions? What happened? You stopped moving. I feared you had broken. I do not know. I only touched this ring. Monseigneur de la Farre's ring. Artemisa, whoever you are, help him, please. God, let not that his soul be forever lost. Make haste, I beg of you. Vas-y, j'ai pas envie. Ah, lui aussi. Et avant d'attaquer le boss, on va faire une petite cut là les gars. On va couper là, on reprendra ça tout à l'heure. Pour la suite des aventures, on va en profiter pour peut-être améliorer. Je peux encore améliorer d'un cran celui-là. Vu que dans tout cas, on fera deux, donc il faut que j'attende la prochaine zone. Lingot d'Oréchal que j'en ai pas pour l'instant. Donc on va acheter, je pense, le bloc de bismuth, améliorer d'un cran le fusil de Charleville. Et comme ça, au moins, on aura deux armes niveau 4.
À mon avis, c'est peut-être la dernière amélioration des armes, le niveau 5, parce que je vois pas physiquement, enfin, visuellement comment ça va être après le truc. Dommage qu'il n'y a pas d'autres boîtiers de foudre. Bon, et bon, on va couper là, les gars. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis, mais bon, à la prochaine, tout le monde. Peace. Surtout partager, liker et oublier.